Et bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode sur Hitman. On va faire une petite présentation du nouveau DLC qui est sorti, The Disruptor. Alors à la base j'avais refusé de le faire parce que la personne réelle qui inspire le DLC, un grand spécialiste des arts martiaux mixtes, et ce qu'on pourrait qualifier de peu recommandable, certains pourraient même parler de gros connard, donc j'avais pas trop envie de faire de la pub pour lui. Et puis on m'a fait remarquer, enfin justement, que ça pouvait être l'occasion de lui taper dessus, puisque l'objectif c'est de se débarrasser de ce sympathique Conor McGregor, qui s'appelle pas comme ça dans le jeu, hein. Donc du coup je me suis dit ok, d'accord, on va voir un petit peu ce que ça donne, on va présenter ça. C'est l'occasion de faire un peu de Hitman, hein, où je suis, hein, si vous avez vu mes tentatives précédentes, pas hyper bon. Mais j'aime bien faire une petite mission de temps en temps. Donc, du coup, le DLC coûte 5 euros, mais il est gratuit si vous avez Hitman World of Assassination. Comme toutes les Elusive Target, il est gratuit pendant un certain temps. Si vous acquérez le DLC, vous pourrez jouer n'importe quand, théoriquement. Même si leur modèle économique est un peu compliqué, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Comme le reste, hein, ça va être une mission d'assassinat, d'infiltration, c'est totalement en français, ça c'est plutôt cool. Et notre objectif va donc être de se débarrasser de ce fort peu sympathique personnage, hein, qui, à l'avant qu'il ne fasse son combat du soir, qui est un combat à mort contre enfin, pas notre client, mais celui que nos clients veulent protéger. Alors, je vais vous lancer la petite cinématique, voir un petit peu ce Good qui se morning, passe. 47. Your target is the multi-billionaire MMA fighter, known simply as the Disruptor. Tonight, he will be attending a duel at the Ark Society's headquarters on the Isle of Scale. His opponent is Tim Quinn, CEO of Quantum Leap and organizer of the event. Mr. Quinn has lately become obsessed with the world of MMA, seeing himself as one of the best, though his talent is questionable. It's a battle to the death, and the odds are certainly against him. Some stakeholders have seen this as an opportunity to engage in a hostile takeover of Quantum Leap, and they will do everything they can to have the Disruptor win. However, our clients, still loyal to Quinn, have hired us to protect their asset and make sure this doesn't happen. Do everything in your power to keep Quinn safe and stop the Disruptor winning the fight. Good luck, 47. Voilà donc le petit contexte de notre mission. Alors on est d'accord que Quinn, en adepte mondial des MMA, c'est pas trop ça. Alors, ici on a The Disruptor. Donc, le passé du bouleversant combattant de MMA, milliardaire et nimbé de mystère. Très bien. Alors, dans la vraie vie, hein, il a passé pas mal de temps en prison ou en garde à vue parce que. C'est un gros brutal, n'est-ce pas? Au cours d'une interview, un journaliste lui demanda s'il avait des choses qu'il aimerait faire à tout prix avant de mourir, ce à quoi il répondit simplement: Mettre au trapi l'autre branleur de Quinn, une insulte à la profession, ce gars. Ce qui a mené au combat de ce soir. Très bien. De notre côté, il faut qu'on fasse en sorte que Tim Quinn survive. Alors là, il y a peut-être un petit problème de traduction parce que c'est un objectif facultatif, mais c'est marqué: Il est impératif que Tim Quinn survive au combat. Donc j'imagine que s'il meurt en dehors du combat, c'est pas trop grave. Quelque part. On va démarrer dans le port. Alors là, c'est une Elusive Target. Ce qui veut dire que si on le démarre et qu'on se rate, on peut pas y rejouer pendant 12 heures. Du coup, eh ben, je ne l'ai pas démarré parce qu'au début, je me suis dit je vais tester un peu, regarder les opportunités au début, etc. Mais bah, je sais, mais j'avais pas envie d'attendre 12 heures avant de refaire la vidéo. Donc du coup, je me suis dit bah, c'est pas grave, on va y aller comme ça. On n'a pas moyen de mettre des objets de contrebande, j'ai jamais joué sur cette map. On a des petits objets spéciaux, hein, qui viennent, hein, la petite bande de résistance et le kettlebell du bouleversant. Donc nous on va prendre la bande de résistance qui est en gros une corde de piano, hein, et des petites pièces de monnaie. J'aime bien avoir des petites pièces de monnaie pour divertir les gens. On a un super costume, manteau de fourrure, magnifique. Rien que ça, déjà, on a envie de lui mettre des baffes, mais on va le prendre, c'est pas grave. Et on est parti. Donc, c'est un contrat arcade. En cas d'échec, on doit attendre 12 heures, comme je vous le disais.
Une fois que vous avez commencé à remplir les objectifs, vous ne pouvez plus recommencer. Vous ne pouvez pas sauvegarder votre partie et le briefing peut contenir des conditions d'échec additionnelles. Donc a priori, il y aurait le fait qu'ils doivent survivre, même si c'est quand même optionnel. Il faut qu'ils survivent au combat. Mais bon, s'ils meurent après, pourquoi pas. On est parti. Voyons voir ça. Good evening, 47. Welcome back to the Isle of Scale. Your target, the Disruptor, is currently getting ready for the first round in a duel to the death with our client's asset, Mr. Timothy Quinn. The Disruptor is out for blood. So remember, you need to keep Quinn safe as his life depends on it. This is not going to be easy, so you'll need to be creative in protecting Quinn whilst dealing with your target. Good luck, 47. J'ai complètement oublié comment on fait son instinct. Ah putain, c'est vrai, si c'est là. Configuration des touches. On va rapprocher, utiliser objet. L'instinct, c'est contrôle. Ok. Je suis en train d'essayer plein de touches et du coup, j'ai dégonné mon flingue comme un con. Alors, déjà, ce serait bien qu'on mette autre chose. Que le flingue en... Oula, pardon, excusez-moi, ça fait un moment que j'y ai pas joué. J'ai un peu de mal. S'abriter, utiliser objet. La caméra à l'épaule. Inventaire CI. Voilà, on va mettre un truc qui n'est pas risqué dans notre barre d'action, histoire de pas dégainer sans faire exprès un revolver. Alors... Right. Hello. Si on va par là, est-ce que c'est autorisé? Il semblerait qu'on peut éteindre. Très bien. Probablement pas grand chose d'intéressant. Ils sont deux, donc on peut pas vraiment aller leur piquer... leur piquer un costume pour le moment. Yeah, man, you're looking jacked. On va y aller comme ça. C'était pas autorisé ici. I am really sorry, sir. I can't let you through because of security reasons. Sorry. Okay. Ici, c'est pas autorisé pour le moment. Parfait. He always lived on another planet. This place is quite something. This is beyond. It's a death sentence. You know the rules. He can always invoke the right of second. What, and have someone else take his place? No way. His ego won't allow that. Every time he loses, he sees it as a victory and a defeat for the opposition. It's all upside down in this world. Especially after he started wrestling. Ah, il parle de Queen, hein? Il a l'air d'avoir effectivement un peu pété un plomb. Does he even want a match? I don't think so. Well. Let's hope this disruptor fellow can knock some sense into him before it's too late. Alors le problème c'est que là c'est un combat à mort donc il va avoir du mal à prétendre qu'il a gagné. Ça c'est clair. Une petite brique ça peut toujours servir. Là on peut grimper. Ouais, c'est pas très très c'est pas très très pertinent pour le moment. Surtout pas hyper discret. Mister? Ah oui, on rentre par la grande porte, magnifique. This is pretty messed up. Yeah, I think it's great, but it's to the death. It's disgusting. I know, but it's also a thrill. I think we all have a dark side. Not me. I don't even like sports, let alone club privé qui pue la richesse quoi. I would have called it sick. You're just saying that. This is going to be a night of historical... Ah, hop là, de retour, excusez-moi, une petite urgence machine à laver, hein, et oui, même les assassins doivent laver leur magnifique manteau de fourrure de temps en temps. Alors, du coup... The disruptor, of course, hands down. I always go for the underdog, so I'll bet on Mr. Quinn. Besides, I like him, he's a good temper. Parier sur Quinn, ça m'a pas l'air d'être une super idée. That is literally the stupidest bet I've ever heard, but okay. C'est le pari le plus con que j'ai jamais fait. Bon, j'écoute hein, au cas où on découvre des opportunités, mais pour le moment, ça paraît compliqué. Ça
Si je me camoufle, est-ce que je peux éventuellement entendre des choses intéressantes? We'll be at the butt end of a social media shitstorm. Sure, but what about all the servants? Their wants are modest. Just pay their kids college tuition and they take our secrets to the grave. But artists and celebs are a different story. Those delicate, creative class snowflakes tend to find what we do morally offensive, and they're harder to buy off. That's what happened to Janice Wu. Cellist? Janice's blindfold slipped off back in 07, and she did not like what she saw. She was going to talk to Janice. Luckily, her lawyer was Zachary Nate, an artist, and he Les gros pourris riches bien fumés. So much for that little crusade. But next time, we might not be so lucky. Better to just keep them in the dark. Et que j'avais pas fait gaffe, mais les musiciens ont des bandeaux du coup. Probably somewhere with a lot more nudity. Je mettrai une petite bombe là-dedans, moi, mais ce n'est pas l'objectif du jour. On peut aller au Nelly, c'est pas possible du coup. Il va nous falloir un petit déguisement plus avancé. Qu'est-ce qu'on a ici? Ce camouflé là, très bien. Monsieur qui fume. Pour l'instant, on peut se balader tranquillement. Hein. On n'a aucun endroit où. On va aller par là. J'ai eu un doute si elle m'avait parlé ou pas, la meuf en blanc, mais non. Welcome, sir. I take it this is your first gathering? Would you like to know more about the Stronghold product line? Yes. The Stronghold series is our original and most popular initiative. Bright and spacious, our underground shelters are a far cry from the crude and utilitarian nuclear bunkers of the past. Situated 40 feet below the frozen tundra on Svalbard, able to resist all but direct meteor strike, the Stronghold Hive system features a public area, complete with bars and restaurants, a movie theater, and even an exercise stadium. Should I go on? Sure, why not? Each individual shelter features electricity, running hot and cold water, a jacuzzi, and high-end customizable interiors. Simply flick on the patented Kronstadt Industries hologram windows to a soothing natural view of your choosing. And the Stronghold shelter will feel like a home away from home. Would you like to know more? C'est abusé. I suppose so, yes. C'est pas du tout la mission, mais j'ai jamais été dans cette zone, donc j'en profite. The Gold class, the Platinum class, and finally the Super Deluxe Rhodium class, also known as the Core Suites, where you'll be certain to spend your subterranean exile among the very best kind of people. Prices begin at 99 million. What can I sign you up for, sir? I'll think about it. 99 million. But hey, it's probably tax-deductible. How about you? My ex-husband scored the old three-bedroom suite that I purchased back in 08 when the plans for the Arctic shelter were first announced. Part of the settlement. So now I'm considering one of the core suites. Oh, big spender. I thought those were long sold out. Well, this one belonged to Thomas Cross. One man's loss, as they say. How much? If you don't mind me asking. Can you keep a secret? Six congressional hearings say I can. On est d'accord. Là, il y a la vendeuse, très bien. Ici, on peut y aller. Je voulais faire, excusez-moi. On pourrait la tirer là, mais déguisée en vendeuse, c'est pas dit qu'on soit hyper discret. Pas très utile, je pense. Une petite pièce. Hop. Ici, c'est pas une intrusion. Okay. On revient là. D'accord. Est-ce qu'on peut partir par ici? Je pense que oui. Let's focus on the next round. Awesome. Sir.
Ok, la cage est là. Hello there. Sir, I need you to turn around and leave, please. Pas de problème. Si c'est bien fermé. On peut atteindre l'escalier là-bas. Sorry, sir, got orders. Can't let you through. Sorry for the inconvenience. Ok. Ici, on pourrait foutre un peu la merde. Peut-être se faufiler en face là. La crypte. Qu'est-ce que c'est que ça? Une pièce. Allons-y. S'arrête pour papoter, ok, parfait, fumer sa clope. I hereby summon our esteemed society member, Mr. Timothy Quinn, or a second of his choosing, to commence his duel with Mr. the Disruptor. Now give him a round of applause. I hereby summon the Disruptor. Ça m'a l'air d'être une vraie vierge de fer à l'ancienne avec des picots. On va tenter de le cacher. Ouf. Putain, il se fait défoncer, quoi. Pas cool. Visiblement, le truc d'architecte nous donne le droit d'aller à pas mal d'endroits. Ça, c'est cool. Ici, on a quoi? Stay, you prick. I am not scared of you. J'ai pas peur de toi, méchant. Ouais. What? Excusez-moi. Ouais, je voyais pas où aller avec mon truc là. Par là. On peut aller par là, très bien. Bon, va falloir attendre la fin du premier round parce que pour le moment il se fait un peu péter le cul. Come on, Miss Boy! You don't have to fight in you! I can see it in your eyes. Yeah, well I will break dance on your grave. Ou alors on lui met une balle dans la tête d'ici. Ah putain. That is the Disruptor. Multi-billionaire combat sports fighter.
He has over 100 victories under his belt, so be careful. An amateur, he is not. Or not, I will summon you when the next round shall begin. Ok, c'était ça le rune break. Bon, pour l'instant, il est pas en victoire, Quinn, semble-t-il. Hein. Time for another round of beat up the chump. Life really is grand. Getting paid to make grown men cry. Yes, life is wonderful. Yeah? I bet I've got more watches than anyone here. How many do you have? I've got more than I do knockouts, and I have over 100 of them. And I'll tell you something, I'm not. Yeah, we'll be able to get them. Et là, always très utile. Investir dans les montres, ça perd jamais de sa valeur. Oui. C'est pas fou. Est-ce qu'on pourrait l'attirer pour qu'on fasse un entraînement et que genre on le... Ah mince. Comment ça ils ont trouvé le corps? Qui a trouvé le corps? Ah. Ils ont trouvé le corps. Donc ils arrivaient par à côté. Je pensais que comme c'était un grenier, il n'y avait pas de risque, mais... C'était un peu gênant. On va vite fait le cacher là, et on va... 47, the target is trying to escape. Don't let them get away. Ah mince. Even understood. 47, you need to eliminate the target before it's too late. Not abandon the principle. Stay frosty. Will do. That's the guy. Comment on peut faire? Ah oui, non, mais alors là par contre j'y étais un petit peu à l'arrache. Je l'accorde. Watch out! C'est une grenade ça? Ah putain, une flèche. Ah bah c'est le décès. Ok, alors le fait qu'il s'enfuit, ça m'a surpris. J'aurais fait beaucoup plus gaffe à cacher le corps si j'avais su. C'est un échec du coup. On ne va pas pouvoir réessayer, si j'ai bien compris, avant 12h. Tac tac tac. Si on y retourne, c'est en échec pendant 12 heures, d'accord. Bah écoutez, comme ça, ça fait une petite vidéo présentation. Vous avez vu un petit peu ce qu'il est possible de faire avec ce nouveau DLC. Le mec est bien arrogant comme il faut, on a bien envie de le défoncer comme il faut. Donc du coup, ça tombe bien. Je vais pas pouvoir le remonter tout de suite, bien sûr. J'espère du coup que cette petite présentation du DLC vous a plu. Désolé pour l'échec, hein. Dès que ça commence à partir en couille dans Hitman, de toute façon c'est compliqué, c'est pas un FPS. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a plu, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.